que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la vidéo s'intitule « Cette personne vient-elle dans les 48 heures à l'improviste ?» Alors, on va regarder. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Lisez ce que j'écris sous barre d'infos dans les commentaires. Il n'y a rien pour vous vendre, rien du tout, rien pour vous faire acheter. Vous inquiétez pas, mais bon. Voilà. Important, c'est général. Voilà. Si rien parle concrètement dans ta vie, etc., etc., c'est pas pour toi. Voilà. Il faut le prendre pour le kiff et le plaisir. Ok. Pour ça, je te propose trois pierres. Donc, la première, le premier tirage, c'est cette magnifique pierre de protection. En deuxième, je dis la vérité, je ne m'en rappelle plus du nom, mais c'est une pierre bleue foncée que j'aime bien également. Et le troisième tirage, ça va être un petit ange. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais commencer le tirage par les personnes qui auront tout simplement choisi le premier tirage. Ok. Alors, on va regarder, bien sûr, avec un max de détails. Et je vais également mettre beaucoup de critères physiques, astrologiques, pour tout simplement savoir si c'est pour toi ou pas. Ok, on va commencer la question, ce tirage super super intéressant, avec le 77. On va faire des petits tirages, je vais prendre bien mon temps pour chaque tirage. Allez, s'il vous plaît, est-ce que ça peut être n'importe qui, hein, dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans le domaine familial, amical, voilà, une personne. Ça peut être également toi. Ok, alors s'il vous plaît, est-ce que la personne à laquelle pense, les personnes qui auront choisi le tirage numéro 1, il y a celle-ci qui est sortie. Mais bon, ça ne veut rien dire. Il faut que je sois super, super, super concentrée là, hein. Faut pas rigoler. J'entends des choses à l'oreillette. On a dit dans les 48 heures. Hein. Il y a quelqu'un qui ressort un peu fourbe. Hein. On est dans la fourberie. Ok, le tirage est installé. Je te donne un max de détails. En plus, on parle à l'improviste. Hein. Moi, perso, ça me ferait pas kiffer. Je vais confirmer mon tirage avec un autre oracle. J'ai déjà la réponse, les amis. C'est grave, non? Je vais prendre le Magic Luna. Déjà, ce qui est sûr, il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Il y a une notion de nouveauté. Il y a une notion également de rapprochement. Il y a une notion également de tourner le dos. Surtout à la communication. Et on nous parle également de complications. On a la saison du printemps qui est sortie. Et il y a une carte qui nous parle de finalité. Alors, c'est possible qu'au moment où vous tombez sur cette vidéo, il y a des soucis de communication avec cette personne. Soit des silences radio, soit vous vous êtes un peu éloigné avec la communication. Voilà, c'est plus aussi facile qu'autrefois, j'ai envie de dire. Ça, c'est un fait. Bon, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que cette personne vient dans les 48 heures chez vous. Allez, Magic Luna, il est prêt. Ouais, on a encore une notion de distance quand même. Ah non, je voulais faire un tirage en croix. Dans les 48 heures. Donc du coup, je vais pas... Ouais, ça va. Attendez 2 minutes. Et je vais vous dire de qui il s'agit aussi. Je
regarde Magic Luna. On a l'été qui est sorti. On nous dit qu'actuellement c'est instable. Malgré ça, on nous parle de rapidité. Le point négatif à la question, c'est qu'il faudrait que vous vous rabibochez ou que vous vous réconciliez ou que vous arrangez un problème avec cette personne. Point positif à la question, c'est quand même qu'il y a une forme de détachement, de lâcher prise et de jalousie. D'accord. On va regarder un peu à quoi elle ressemble, cette personne. Bon, je vous dis la vérité, on voit une communication interrompue, mais on peut nous parler quand même qu'il y a eu des messages d'amour. On voit qu'on a tourné le dos au sentiment, à cet amour. Quelqu'un qui a tourné le dos, qui s'en est allé... par rapport à quelque chose qui était en train de grandir, de fleurir. En fait, on voit vraiment quelqu'un qui a pris une forme de fuite juste au moment où les choses commençaient à devenir intéressantes, à devenir évolutives, à devenir positives. Et juste à ce moment-là, ça nous a mis vraiment des problématiques dans notre tête. Et c'est vrai, moi je pense que cette la première personne ici a peur de l'engagement. C'est terrible, cette peur de l'engagement, parce que là on voit vraiment très concrètement qu'il y a un rapprochement qui s'est fait, genre une attache, même de l'amour quoi. Et on le voit très très clairement dans le 77 que juste à ce moment où on commence à s'attacher, à s'apprécier, même à ce qui fait bien, eh bien, il y en a un là qui prend la fuite. Et Magic Luna, là, je ne vous l'ai pas montré, mais nous confirme que c'est un amour de base qui n'était pas toxique. On nous parlait vraiment de sentiments. Mais le point négatif à la question, c'est qu'on est en pause, on est en break. Faut qu'on se réconcilie, quoi. Avant de venir à l'improviste, ça serait pas mal, en fait. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Donc, bon. Mais les sentiments sont là. Alors, on a quoi? On a quelqu'un qui s'habille de manière classe. Un style vestimentaire classe, les amis. Quelqu'un de distingué, d'élégant. Quelqu'un qui est brun, qui est brune, les amis. Qui a les cheveux plutôt foncés. Bon, on nous parle quand même que l'instabilité s'est quand même installée assez rapidement. Il y a quelqu'un qui est mince, qui est svelte, qui a la taille plutôt fine. Voilà, qui n'a pas trop de bourrelet, quoi. Hein, qui est comme ça. Voilà, au niveau de sa corpulence, on nous parlerait de personnes plutôt comme ça. Caractère plutôt sérieux, sérieuse. Voilà, quelqu'un normalement qui est sérieux. Hein. Quelqu'un qui peut avoir des enfants, on nous parle d'enfants ici, hein, voilà. On nous parle de bébés, d'enfants, de jeunesse. Quelqu'un qui est malheureux en ce moment, peut-être qui kiffe pas trop sa life là. On a le signe du bélier qui est sorti, les amis. Hein. La date du bélier, c'est le 21 mars au 20 avril, je vous le rappelle. On a également des cheveux clairs qui ressortent dans le tirage. Bon ouais, ça, bon, on a des cheveux foncés, oui ça on le sait. On a le taureau, les amis, le signe astro du taureau, du 21 avril au 21 mai. Donc on peut nous parler du signe principal, de l'ascendant et du lunaire. Donc je vais en tirer 6 parce que dans un couple logiquement où voilà, on est j'allais dire on est 3 on est 2 normalement hein. Et rigole pas, il y a des trios amoureux, hein. Mais genre ensemble. Oui, il y a des trios, il y a des, oui. Mais pas en mode infidélité, hein, genre vraiment en couple à 3, oui. Moi, je n'ai pas de jugement, moi, je me dis tant que les gens sont heureux. Alors, on a des cheveux longs, voilà, des cheveux longs. On a le signe de la balance, donc du 23 septembre au 22 octobre. On a des yeux verts. On a un caractère drôle quand la personne elle ne déprime pas. On a des yeux bleus.
on a une personne qui a des formes, on a un caractère plutôt sympathique, courageux, courageuse. Là, je cherche les signes, hein, donc je prends les premiers signes du tas. On a les lions, donc là, taureau, lion, balance, ça fait 4. On a le scorpion. Et plus que 2 pour les signes astrologiques. Et on a les cancers ici qui ressortent dans ce tirage. Alors, je l'ai dit en commentaire, mais je suppose que vous lisez pas tous les commentaires, c'est bien normal. Maintenant, j'ai cette optique. Après, peut-être que je vais changer d'avis ou évoluer. Bon, on évolue tous. Là, en ce moment, je mets beaucoup de signes astro, j'en mets 6. Mais du coup, pour se référer par rapport à vous, si vous avez un signe qui ressort quand même, malgré tout, que vous n'avez pas les 3, s'il n'y a qu'un signe, moi, je me dis, ça peut parler si ça vous parle. Bon, il faut déjà que ça vous parle. Bon. En venant que ça vous parle pour que ça soit plus concret. S'il y a un signe, genre, quand même, ça pourra peut-être vous parler vraiment, mais il faudra prendre peut-être au niveau, comment dire, genre pas aussi profondément que si ça serait 3 signes en fait. Si vous en avez 2, ça commence à être encore plus intéressant, et 3, c'est plutôt pas mal. Et après, il faut voir aussi les signes du partenaire. Alors là, si t'as les double 6, c'est super. Hein. Bon, voilà, bref, t'as capté ce que j'ai voulu en venir. T'as capté où j'ai voulu en venir. Ensuite, pour le tirage. Déjà, sache que cette personne ici, elle va revenir vers toi pour essayer de construire quelque chose. Mais on voit vraiment qu'elle a très très peur de l'engagement, cette personne ici. On a malgré tout de la sincérité. Tu vois, il y a malgré tout de la sincérité. Ok. Je vais continuer à développer le tirage. Bon, j'ai la réponse. Depuis tout à l'heure, j'ai la réponse en tête. Hein. Je vais vous la dire la réponse, mais on va continuer à développer quand même au niveau de votre tirage, hein, de votre tirage que vous avez choisi. Pour moi, c'est un non. Cette personne ne viendra pas dans les 48 heures. Je suis désolée, hein, pour plein de raisons, parce que déjà, il faut parler là. C'est un peu compliqué pour moi ici. Il y a un truc là, il y a un hic. Pouvez-vous nous donner des petits messages supplémentaires concernant cette personne qui ne vient pas dans les 48 heures? Il y a des commérages qui sortent concernant des actions et j'allais dire accès, des accès. Ouais, des commérages concernant des actions, des accès par rapport à de la concurrence, de la rivalité. On nous parlerait de ça. J'ai le tarot en tête depuis tout à l'heure qui m'appelle. Donc, je vais le prendre. Ok. Le tarot, c'est super. Un petit message, s'il vous plaît, concernant cette relation là, qui est compliquée quand même. Pouvez-vous donner un conseil? Ouais, ouais. On voit quelqu'un là qui n'en peut plus là. Qui n'arrête pas de réfléchir, qui n'arrête pas de penser, qui cogite là. On te conseille de ne pas bouger. Voilà, on te conseille de ne pas bouger. Reste sûr de toi. Profite. Reste dans ta stabilité. N'oublie pas que tu es une reine ou que tu es un roi, entre guillemets. On te dit d'éviter la confrontation, d'éviter le conflit avec cette personne, d'essayer d'apaiser la communication si elle revient et qu'elle est un peu... Si elle cherche un peu des noises, ne rentrez pas dans son jeu. On vous dit ça. Et oui, certes que vous avez un profil quand même très féminin, pour certains et certaines, un côté maternel, un côté gentil, un côté affectueuse, mais peut-être pour une fois, ne montrez pas ce côté-là... maternelle, montrez plutôt votre côté de femme, votre côté guerrière, surtout pour cette situation, après pas indéfiniment, mais montrez un petit peu que vous n'êtes pas que gentille, que vous n'êtes pas que belle,
que vous n'êtes pas que femme, que vous n'êtes pas, voilà, que vous n'avez pas que tout ça. On nous parle qu'il y aura un renouveau, une possibilité de continuer là où ça a arrêté. Alors ici, avec cette personne, ça peut être une personne de votre famille, un ami, un amoureux, un ex, une personne sur qui vous avez flashé, voilà. Ça peut être mettre de l'eau dans son vin, essayer de tempérer un peu les choses. On me dit de pas forcément mettre d'étiquette sur votre relation. Ne mettez pas forcément une étiquette sur votre relation, sur vos sentiments, sur tout ça. On nous voit là un peu de la surcharge, un peu de la complication, surtout au niveau de la communication encore une fois. C'est comme si on n'est pas trop aidé aussi. Hein. On a l'impression que c'est toujours d'un seul côté. Je sais pas, il n'y a pas un... Il manque d'équilibre là. Et n'hésitez pas à lui montrer que vous pouvez partir. Que vous pouvez partir. Que ça vous fait pas peur de partir. Que ça vous fait pas peur de recommencer votre vie. De tout arrêter. Montrez-lui que vous n'avez pas peur de ça. Que vous n'avez pas peur de... D'être entre guillemets seul, mais vous ne serez pas seul. Montrez-lui. Montrez-lui que vous pouvez partir. Que ça vous fait pas peur tout ça. Montrez-lui également en gros que vous savez prendre des décisions, que vous savez vous prioriser, que lui ou elle n'est pas forcément votre priorité. Et que vous aussi, vous pouvez ne plus parler. Et vous ne pouvez plus ne pas lui répondre quand monsieur ou madame l'aura décidé en vrai. Hein. On voit que la force en vous, elle a toujours été présente. Vous êtes quelqu'un quand même de dynamique, de fort, de courageuse. Et ça, ça va beaucoup vous aider. Et aussi, vous n'êtes pas sa mère, quoi. Hein. Vous n'êtes pas sa mère. Donc, ouais... Tout le monde a besoin d'aide, je suis désolée. Donc non, vous n'êtes pas là, lui repasser tout le temps ses caleçons. Quand il a besoin d'aide, non, non, non. Oui, un couple, je sais bien, on est entraidé. Mais à un moment donné, quand le bourricot, il fait n'importe quoi, là, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas où il en est. Oui, oui, il a beau avoir des sentiments, c'est très mignon. Hein. C'est super gentil d'être sincère, mais bon, c'est pas être gentil, être sincère. Mais à un moment donné, il faut montrer qui vous êtes, hein, et ce que vous voulez. Ce que vous savez, ce que vous voulez, ça c'est sûr. Donc, montrez un petit peu ce que vous voulez. Tout simplement, vous montrez ce que vous voulez. Vous avez droit de montrer ce que vous voulez. Je vais faire des petites prédictions pour cette énergie. Je vais prendre le 77. Je vais faire par deux cartes. Non, par trois cartes, ce sera... plus précis, enfin ça sera plus détaillé en fait, c'est pas que c'est plus précis, c'est plus détaillé, enfin c'est pareil en fait. S'il vous plaît, un petit message pour ces deux personnes là. Mais en vrai vous verrez, ça marche, hein. Genre tout ce que je vous ai dit, genre les conseils de l'oracle, c'est vraiment fait pour les personnes qui ont choisi ce tirage. Et si ça vous correspond, bien sûr que ça vous parle, hein. Genre c'est vraiment fait pour vous aider ça, pour vous débloquer une situation en vrai, hein. Normalement. Genre concrètement, normalement ça devrait être puissant. C'est puissant. Après oui, c'est vrai que c'est mieux en privé. Je vous l'accorde. Mais je peux pas faire tout le monde. Et en ce moment j'ai plus de place. Et là je compte faire une pause au niveau des consultations privées. Mais oui, je sais que c'est beaucoup plus puissant rien avant. Hein. En privé, c'est encore mieux. Hein. C'est encore mieux. Hein. Mais malheureusement, je ne peux pas, les amis. Je sais que vous me demandez des fois en privé et tout, mais... Cet homme va vous donner quelque chose. Oh, il y a encore cet homme, qu'est-ce qu'il a? Il va devenir un peu plus positif. Il y aura des événements positifs concernant votre autre ou cette personne, quoi. Alors, des interrogations. Si vous avez des doutes... sur la tristesse de quelqu'un, on vous dit que cette personne, elle est bien triste. Ou je sais pas, si vous vous posez des questions sur son état émotionnel, cette personne va pas trop bien. Elle est pas au top. En ce moment.
un manque d'intuition. Et on nous dit aussi que cette personne, elle n'est pas au top parce que vous lui manquez. Voilà. Après, moi, je ne juge pas. Il y en a, ils vont me dire, ouais, ben écoute, il avait qu'à vouloir, il avait qu'à s'investir. Oui, je sais bien. Et je savais hier dans la vidéo de hier qu'il y avait des gens qui allaient réagir à chaud, avec la haine et tout. Mais je n'en veux pas aux personnes qui ont réagi à chaud hier soir. Parce que c'est la tristesse qui parle. Tu vois, quand tu es vraiment mal, tu écris vraiment avec l'énervement et... Voilà. Ouais, on vous dit vraiment que vous allez connaître des choses, vous allez tout comprendre, vous allez savoir plein de choses. Il y a un truc qui va arriver fort au niveau des sous, au niveau de l'argent. Une rentrée d'argent pour les personnes qui ont tiré le premier tirage. Ouais. Alors, on te dit que tu as un choix à faire, mais tu vas avoir... Le problème, je sais, il y en a, ils n'aiment pas les choix. Il y a plusieurs chemins face à vous, là. Il faudra choisir lequel que tu préfères. Peut-être ton plus gros problème, c'est que tu ne sais pas dire non. Ou tu ne savais pas dire non. On te dit que les choses vont se stabiliser peut-être dans ta vie sentimentale quand tu vas enfin te dire non. Regarde le film La Vilaine. Deviens comme elle. Sauf pour les animaux. Alors, on nous parle d'une aide pour se rapprocher, pour rencontrer cette personne ou pour enlever toutes ces énergies nocives, la négative. Il y a quelqu'un qui ne voit pas la réelle intensité de votre lien. Ouais. En ce moment, vous m'écoutez pas, je suis pas contente. Ça fait trois jours que je vois la même chose. Il y a des gens, ils ont envie de dormir. Ils sont fatigués. Vous n'êtes toujours pas couché depuis 3 jours? Sans déconner. Non, mais sérieux, là. Ça sort, c'est pas pour rien. C'est pas pour vous. Alors, voilà, vous allez vous acheter un nouveau lit. Moi, d'ailleurs, je l'ai acheté sur Cdiscount. Le mien, il est magnifique. Pas très cher pour un lit. Matelassé, argent. Il est très beau. Pas très cher pour un lit. Et la qualité, ça va pour Cdiscount. Par contre, ok, cette personne va revenir et tout, vous allez revenir. Sache que soit elle va mentir, soit elle te dira pas, vous vous direz pas tous les deux ce que vous avez foutu pendant ce temps de break. Ça, c'est clair. Donc voilà, les amis, c'était le tirage numéro 1. Je fais des bisous, prenez soin de vous. Amis, pour ceux qui ont choisi du coup le tirage numéro 2, on va regarder du coup si cette personne va venir chez toi à l'improviste dans les 48 heures. Plus plein de détails sur ce qui se passe, l'avenir, présent, passé, tous les messages, conseils qu'on peut avoir également. Donc pour cette question, je prends le 77 et le Magic Luna. Je vais faire deux tirages, un qui confirme un et l'autre également pour voir. Allez, s'il vous plaît. On va se concentrer, hein. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire si cette personne va venir à l'improviste dans les 48 heures? Pouvez-vous nous dire si cette personne va venir dans les 48 heures, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire si cette personne va venir dans les 48 heures à l'improviste, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne va venir à l'improviste dans les 48 heures, s'il vous plaît? À l'improviste, est-ce qu'elle va venir? Si t'as une question, tu dis oui par rapport à ce tirage. Et on te parle de jalousie ici, hein. Alors, je regarde d'abord avec le 77 si elle vient chez toi à l'improviste dans les 48 heures. J'ai déjà la réponse, c'est grave. Bon, déjà, elle sache qu'elle va t'appeler. Elle va rentrer en communication avec toi. Tu vas avoir des nouvelles.
tu vas papoter, tu vas parler. Voilà, vous allez avoir un dialogue plutôt abondant, plutôt bienveillant. Alors moi ici, j'ai affaire à des personnes qui ressortent quand même, qui ne changent pas d'avis. Des personnes, quand ils disent oui, ils disent oui. Quand ils disent non, ils disent non. C'est le genre de personnes qui ont... C'est très difficile de changer d'avis avec eux, enfin, de leur faire changer d'avis. Voilà, c'est très difficile. On nous parle de choix financiers par rapport à cette personne. On nous parle qu'il y a des solutions pour plusieurs possibilités. On a la période de l'hiver qui est sortie. On peut l'assimiler également au froid. Une difficulté à écouter pour certains. On a tendance à fermer les yeux sur certaines choses. Elle va nous appeler cette personne pour nous apprendre certaines choses. Il y a également chez cette personne une envie de vous apprendre des trucs, une envie de vous faire avancer, une envie de vous faire développer. C'est une personne quand même qui a le nom facile, hein. C'est une personne qui dit pas très oui en fait. C'est quelqu'un qui dit souvent non. C'est quelqu'un qui est souvent très organisé dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime avoir une longueur d'avance sur les choses, qui est plutôt très organisé dans ses journées, dans ses relations, dans son temps. Voilà. Donc si cette personne vous donne de son temps, je pense quand même que vous l'intéressez un minimum. Moi, j'entends quelqu'un d'influent. On me dit que cette personne est plutôt influente, hein. Quelqu'un d'important ici dans le jeu. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit. Magic Luna confirme ce que j'ai dans la tête, parce que j'ai déjà la réponse. On va regarder, les amis, ce que Magic Luna nous dit. Déjà, sache que tu vas l'avoir, cette personne. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. En tout cas, dans l'énergie actuelle. Hein. C'est quelqu'un qui a pu être connu. Hein. Ou dans le passé, ou qui sera connu. Quelqu'un qui va vers la célébrité, entre guillemets. Hein. Ouais, j'ai des communications texto, des communications comme ça, des trucs comme ça. Hein. Appel aussi. Hein. J'ai des décisions familiales. Hein. Déjà, par rapport à la question, cette personne a déjà pensé à le faire. Sache-le. C'est quelqu'un qui se soucie beaucoup du regard des autres. Énormément. Pour moi, cette personne ne viendra pas à l'improviste. Mais si elle viendra te voir, elle te demandera son accord. Donc c'est un peu compliqué de dire oui, non. Mais je dis non, c'est pas à l'improviste. Elle viendra pas te voir à l'improviste, cette personne. Mais tu vas la voir. Tu la verras, tu la reverras, tu vas lui parler également. Mais ça ne sera pas à l'improviste. Donc du coup, tant qu'on y est, on va faire un petit tour sur votre relation, un petit tour sur des petits messages, sur ce qu'on peut vous me dire sur vous, quoi, sur ce qui va se passer. On nous parle d'espoir pour vous deux. On nous parle de grandes possibilités. On nous parle d'être vraiment à 100% nous-mêmes. On nous parle d'équilibre, on nous parle de justesse, on nous parle de nouveau, de renouveau. Voilà, moi je sens quelque chose de plutôt bon. Par contre, il y a quelqu'un qui veut être quelqu'un qui n'est pas. Quelqu'un qui essaye de devenir quelqu'un. Quelqu'un qui a du mal à se trouver, quelqu'un qui a du mal à accepter l'homme ou la femme qu'il ou elle est, en fait. On voit quelqu'un qui a une très grande intuition. Voilà, ça confirme mes ressentis. On a un 10 de coupe. On a une union, on a une relation. Il y a la force de votre amour. Franchement, bon, voilà, elle ne viendra pas à l'improviste. Il y en a qui peuvent kiffer, il y en a qui ne peuvent pas kiffer. Ça dépend les circonstances. Ça peut mettre un peu de pression quand même. Hein. Mais non, c'est... En plus, ça ressemble pas du tout à cette personne. Hein. Je vous dirai la vérité, moi, je la ressens pas comme ça déjà dans son caractère. Je la ressens pas comme ça dans son caractère, mais c'est quelqu'un qui aime bien vous faire un peu vibrer, vous faire un peu... vous faire palpiter, vous donner un peu de la surprise, un petit peu comme ça. Il y a des travailleurs, là, qui ont accès sur moi, là, sur le bureau. Il y a 3 mecs. C'est très gênant. Enfin, bref. Moi, franchement, je trouve que la relation, elle part bien, elle est bien, elle va bien plutôt. Hein, moi, je trouve qu'on est plutôt dans une relation sérieuse et stable, en fait, pour tout vous dire la vérité. Alors, j'ai la jalousie qui est sortie 2 fois, les amis. J'aimerais savoir si c'est lui qui est jaloux ou
ou si c'est vous tout simplement, ou si c'est autre chose extérieure. Moi, je pense que c'est un de vous deux. C'est un de vous deux qui peut être un peu jaloux, c'est au niveau des émotions. Au niveau des émotions, il y a de la jalousie, moi. Après, ça peut être mignon, hein. On voit quelqu'un de très cultivé. On voit qu'on vous allez vers le changement. Il y a un changement professionnel. Moi, je sens beaucoup de réussite aussi dans le travail ici. Hein. Ouais, je sens vraiment une carrière exploser, monter les échelons ou une entreprise qui va vraiment se faire connaître. Il y a vraiment un truc de célébrité, de succès. Hein. Je l'entends vraiment dans le travail, vraiment, pour peut-être cet homme ou pour vous. On nous dit que ça a pris X temps quand même parce qu'il y avait des choses à gérer, à mettre dans l'ordre. Des doutes concernant des choix. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce qu'on a fait les bonnes actions? On a l'ange blanc. Ouais, il y a un truc qui m'embête, ouais. Il y a un petit truc qui m'embête là. Je ne sais pas, il y a hic là dans la relation. Il y a un hic. Enfin, il y a un truc qui me plaît pas forcément. Et on parle de manipulation concernant des écrits, des contrats légaux. Quelque chose de pas net. Hein. Pouvez-vous nous donner un message concernant ce contrat douteux? Ces contrats douteux là. On y pense, on y réfléchit. Contrat douteux. Justice divine, hein. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui a fait une magouille, hein. Qui n'a pas été 100% honnête. Et on a le petit karma là devant nous, là. C'est lié aux rivaux. Aux personnes qui peuvent nous mettre en danger. On parle d'écrits, de messages, de trucs légaux. Hein. C'est une forme de protection un peu pas très honnête. Hein. Pas très légale, pas très. Là, on a affaire à un James Bond. On a affaire à un Zorro là. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le contrôle, quelqu'un qui n'aime pas. Je vois vraiment la personnalité là. Quelqu'un qui n'aime pas être pris au dépourvu, quelqu'un qui n'aime pas qu'on se fout de sa gueule et qui pourrait réagir vraiment. Vraiment qui réagira. Vraiment quelqu'un qui agira. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne rigole pas, quoi. C'est quelqu'un qui. Je sais pas avec qui vous êtes, hein. Qui vous fréquentez, autant vous nous fréquentez. Je sais pas qui. Je pense que si on n'ira pas embêter cet homme ou cette femme, hein, attention pour ceux qui y tentent, qu'ils essayeraient, qu'ils auraient envie, quoi. Je pense qu'on peut se sentir en sécurité. Si vous cherchez la sécurité, elle est là. Elle est dans le tirage numéro 2. Ouais, c'est quelqu'un qui ne rigole pas. Hein, quelqu'un de très sûr de lui, qui peut avoir une carrure. Hein. Soit qu'il a une grande carrure, grand, qui peut faire peur. Hein. Femme pareille. Hein. Je sais pas, je sens vraiment quelque chose de costaud, quelque chose de.
Alors, on a la sexualité. On veut nous parler de sexualité pour vous. Compliqué au niveau de la sexualité. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas assez de câlins et qui est malheureux en ce moment. Quelqu'un qui voudrait plus de câlinou. Voilà. Mais qui ne lâche pas l'affaire. Hein. En manque de câlinou. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est pas pour autant qu'il va passer à l'improviste. Hein. Ok. Alors, on va prendre le 77 et on va se concentrer. Un petit message s'il vous plaît avec le 77. Un petit message s'il vous plaît avec le 77. Et après, je vais regarder aussi le portrait physique, caractère, signe astro. Un petit message pour ces personnes. En ce moment, le printemps, il sort énormément. Il y a une amélioration de l'écoute de cette personne. On va regarder le profil de cette personne. De vous. De vous deux, quoi. Alors, je l'ai là, l'oracle. Il n'y a qu'une personne qui a fait ce genre d'oracle. Ouais, mais moi, j'oserais pas refaire, vous savez, un truc qui ressemble à part si je lui demande l'autorisation. Parce que c'est le seul, en fait. Et je trouve ça super intelligent. Ou alors quelqu'un d'autre le fera. Hein. En plus, elle est super gentille, la créatrice, Laura. Alors, je sais pas si dans ces cas-là, on a le droit. Oh, je sais pas. C'est compliqué, des fois. Parce que les oracles, on a le droit de faire. Il y a plein de genres de. Il y a plein de genres d'oracles. Il y a le tarot, il y a les normands. Alors, on a quelqu'un qui est un peu en surpoids, un homme qui se rase, quel dommage. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, un caractère séducteur, ça on l'a bien senti. On a des peaux foncées. Des peaux métisses, foncées, quoi. Quelqu'un qui est sexy. Quelqu'un qui peut être chauve. Ou qui sera chauve. On a les béliers. Oh, décidément. Quelqu'un qui peut être un peu âgé, quand même, qui est entre 50 et plus. 50 et plus. Hein. Bon, je dis ça, c'est pas âgé. Ma mère, elle a 50 ans. Mais bon, quand tu vois Georges Clooney, tu te dis, c'est pas vieux. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui peut être aussi des fois décontracté dans son style. Quelqu'un qui peut être malheureux. Quelqu'un qui a les cheveux noirs, foncés. On a la balance. On a le lion. Quelqu'un qui travaille énormément. On a des yeux foncés, marrons. Intelligent, c'est vrai, ça c'est vrai. Quelqu'un qui prend soin d'elle ou de lui. Optimiste. Après, on a quoi? On a une peau claire. Un couple mixte, là. Et la tranche d'âge entre 30 et... du coup, et 30 et plus, quoi. Quelqu'un qui peut faire rire. Quelqu'un d'authentique. Attendez. Je regarde les signes astro. Alors. On a le Sagittaire. On a beaucoup de signes, on a tous les signes de feu. On a le Capricorne. Et on a la Vierge. Donc voilà pour les critères. Qu'avons-nous? D'accord. On médite, on réfléchit à ouvrir une porte qui nous donne envie d'aller vers un nouveau chemin. Pourquoi vous hésitez? C'est lumineux. Comme derrière. On a le triomphe. Ouais, mais moi, je suis souvent trop vite émerveillée. Attends, attendez. Mais en tout cas, c'est le cas. On nous parle de lumière, de spiritualité, de choses très belles, très saines.
Moi, le tirage 2, pour moi, peu, même s'il vient pas à l'improviste, il va venir. Hein. T'as rencontré la bonne personne. Hein. Si tous les critères de la vidéo te parlent, tout. Pas de triche. C'est la bonne. C'est la bonne, c'est tout. C'est l'homme ou la femme qu'il te faut. Hein. Vous êtes fait pour être ensemble. On a bon encore cette jalousie, mais qui est positive. Jalousie sentimentale. Je sais pas si tu l'as rencontré ou pas encore, mais franchement, c'est bon, c'est bon. Oui, si t'as une question sur ce tirage, on te dit oui, c'est l'amour, oui, c'est la bonne personne, oui, tu vas le rencontrer ou tu l'as rencontré. Magnifique, magnifique énergie, les amis, que nous assistons aujourd'hui. Magnifique. C'est le bon, c'est la bonne. Je vais prendre Magic Luna. Alors oui, cette personne sera jalouse par rapport à tes fréquentations. Il y a un truc lumineux entre vous deux. Vous avez été appelés. C'est l'univers qui vous a ramené ensemble. C'était écrit. C'est votre destin. C'est la femme. C'est l'homme de ta vie. Voilà. Donc arrête d'hésiter, de méditer 150 ans pour ce nouveau chemin-là. Je sais pas c'est quoi. Fais pas n'importe quoi là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si tu hésites, cette personne, ça, c'est pas grave. Ça va rien faire. C'est magnifique. Bon, tu peux hésiter, t'inquiète. Mais franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il va te proposer. Il y a une porte là qui va s'ouvrir pour être avec cette personne, pour faire des choses avec elle. C'est la vie de rêve. Peu de personnes connaîtront ça. Hein. Et peu de personnes l'ont connu. Mais c'est la personne avec qui tu vas vieillir. C'est magique, c'est une relation magique. T'as tous les jours le sourire quand tu la verras, quand tu vas le voir avec les crottes dans les yeux, tu vas être qu'il est beau. Voilà quoi, avec tes cernes, avec tes cheveux gras, parce que ça sera le jour de te laver les cheveux, il va te dire, mon Dieu, tu es magnifique, t'inquiète, je vais te laver ta tête. Nickel. Et même tu auras des poils sur les jambes, il va te dire, tu es une déesse. Écoute, tu veux quoi de plus? Que tu sois en kimono, que tu sois en gros pull XXL, que tu sois en sous-vêtements, que tu sois n'importe comment, tu es la plus belle à ses yeux. C'est un des rares tirages que j'ai fait aussi beau. J'ai une énergie, franchement, j'ai pas envie de partir. Franchement, elle est belle. Elle est très belle. J'espère que vous avez tous les signes. Ou en tout cas, au moins 70% des signes. Voire 80, 90. Si t'as un signe, les amis, il faut pas trop rêver. Ça peut être une belle relation malgré tout, quand même. Hein. Mais parce que tu es tombé sur ce tirage et que si t'as au moins ton signe et son signe, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà de bon augure. L'amoureux, il est là. Il est présent. Il compte bien être présent, rester. Te soutenir, voilà, c'est tout. Hein. Et si je me trompe pas, j'ai dit qu'il n'avait pas d'enfant. Enfin, le jeu a dit qu'il n'avait pas d'enfant. En tout cas, il y en a un des deux qui n'a pas d'enfant. Mais si ça veut dire. En tout cas, il y en a un des deux qui n'a pas d'enfant. Mais s'il y en a un de vous deux qui a des enfants, ça veut dire que vous avez déjà eu. Bon, oui, je me doute que vous avez déjà eu d'autres histoires, à part si vous l'avez rencontré au lycée. Enfin bref. Les compromis seront là. C'est un homme qui fait des compromis pour votre harmonie. Voilà. Tout simplement. L'amoureuse. Des compromis pour que son amoureuse soit en harmonie. Voilà. Pour qu'elle arrête, hein, d'être d'être dans le jugement, d'être dans la peur. Je l'ai dit. Ah bon. D'être dans la peur, genre il veut vraiment la rassurer, qu'elle ait confiance en elle, la mettre vraiment en confiance, qu'elle arrête de douter de sa fidélité. Elle a peur de l'infidélité malgré tout. Tiens, c'est une bonne question ça, j'ai envie de savoir s'il est fidèle. Parce que ça peut être magnifique et il peut être infidèle. Est-ce que cette personne sera fidèle? On parle pour le futur, pas pour le passé.
Est-ce que cette personne sera fidèle? Est-ce que cette personne... Je vais prendre le tarot aussi pour cette question. Est-ce que cette personne sera fidèle? J'ai entendu un truc à l'oreille. La nature. J'ai entendu. On va voir si je... Par rapport à mon ressenti. Est-ce qu'elle sera fidèle, s'il te plaît, tarot? Est-ce qu'elle sera fidèle? Moi, ouais, elle sera fidèle pour moi. Ah putain. C'est vrai que ça donne envie, tout ça. Non, mais moi, j'y crois. Je sais que... Que c'est rare, quand même. Mais... C'est beau, hein? Et c'est très très beau. En vrai. C'est très très beau. On va faire un petit tirage. On va regarder un petit peu la suite. Franchement, ouais, le tirage numéro 2, je pense que c'est le meilleur. Bon, j'ai pas vu le 3, mais franchement, il est magnifique, quoi. Alors, là, on nous dit qu'il y a une personne qui... On a l'impression qu'il y a une personne, en fait, elle est accro à un sport ou à une activité. Genre vraiment, genre qui est à fond dedans. Il y a quelqu'un qui est à fond dans une activité, en fait. Mais genre de fou, quoi. Mais c'est quelque chose de sain, les amis. Donc, c'est bien. Tu vois ? Bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'intensif, c'est quelque chose qu'on doit faire limite tous les jours, j'entends. Ou alors une fois par semaine, hein. Obligé une fois par semaine. Hein. C'est quelque chose qui fait du bien. Qui fait du bien au corps, à l'âme, à la santé. Donc, je vois rien de... Par contre, c'est vrai que, bon, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais... On nous dit quand même on est dingue de l'autre, quoi. On est complètement gaga, on est complètement fou, on est complètement love, on est complètement ensorcelé, quoi. Genre vraiment. On est vraiment. Mais c'est un amour protégé. C'est un amour qui craint presque rien. Genre vraiment, il y a une protection sur cet amour. Alors oui, c'est un amour qui est beau, c'est un amour du coup qui fera parler, c'est. Il y a des gens qui diront, ouais, il est ou elle est avec elle juste pour le pognon, pour l'argent. Voilà. Il y a toujours des cancans, vous savez. Il y a toujours des gens qui parleront pour rien, qui aimeront critiquer par plaisir, qui vont s'inventer des vies. Il y a toujours des menteurs et des menteuses, hein, et qui n'ont aucune crédibilité en plus de ça. Hein. C'est ça le pire. Mais bon, à force, on les reconnaît. Mais franchement, c'est vraiment une très très belle relation. Une très belle relation. Alors oui, bon, le seul point hic, ça peut être la famille. Notamment, quelqu'un qui n'est pas très vieux dans la famille. Quelqu'un, ouais, c'est juste peut-être le seul point hic. Mais franchement, alors oui, il y a quelqu'un qui gagne bien sa vie, les amis. Mais c'est une personne qui a galéré pour gagner aussi bien sa vie. C'est quelqu'un qui mérite son salaire. Nous, la France, on a un problème avec ça. On a un tabou avec l'argent. On a un tabou, on est trop méchant, on est envieux, on est critiqueur. Bon, il y a plein de qualités, je sais bien. Mais la France n'aime pas voir les gens réussir. Et ça, c'est vrai, les amis, hein, c'est vrai. Il y a des choses qu'on a peur de dire parce que on ne sait pas si les gens en face de nous vont être contents pour nous ou tristes pour nous. Ah, là, dans cette énergie, on nous dit quand même qu'il y a un défunt. Un défunt qui vous protège et qui valide votre histoire. Qui valide votre histoire d'amour, qui fait tout pour vous protéger. Franchement, qui vous aide également dans vos affaires. Franchement, ouais, il y a vraiment un être, un défunt qui est pour moi au ciel, qui vous veut du bien. Franchement, c'est... Ouais, voilà, alors vous pouvez également avoir des entités. Mais des entités quand même
qui veulent pas votre malheur. Ça, ça sort comme ça. Mais ouais, il y a vraiment une protection d'un ange blanc. Vraiment, ça sort comme ça. Protection contre les méchants, là. Ouais, ils vous protègent contre... Vous êtes énormément protégés. Franchement, vous... Enfin, vous ne risquez rien. C'est un grand mot. Il faut toujours se protéger. Il faut faire toujours attention. Il faut prendre les devants. Mais franchement, vous avez une protection de fou malade. Je kiffe cette énergie. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop saine. Voilà, un amour, union, profond, intuitive. Vous êtes carrément connectés. Ouais. Il t'aime. Un homme t'aime ou t'aimera de la plus belle des façons. De la plus vraie des façons. Très clairement. C'est ce qu'on nous dit. On voit... Voilà... On voit une bonne complicité, un bon feeling. Voilà. Franchement, c'est... Je sais même pas pourquoi vous regardez les vidéos. Alors peut-être vous regardez les vidéos parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous fait du bien, parce que c'est votre passion. Mais... franchement... C'est super. Allez, on va regarder davantage. J'ai pris l'oracle de Béline à revisiter. Bah tant mieux qu'il y a des bonnes nouvelles. Voilà, c'est pas que des mauvaises nouvelles. Hein. On a l'homme. Mais l'homme, il arrête pas de sortir. Et quand les personnages ressortent et les deux ressortent, j'aime trop. Genre, il se sent vraiment concerné par la situation. Il se sent bien là où il est. Voilà, il va rentrer en communication avec toi. On me le reconfirme avec cet oracle. Alors non, il va pas venir chez toi à l'improviste, mais c'est possible qu'il t'emmène dans un domaine. Voilà, il t'aime. Il veut te faire plaisir, il veut te prouver son amour. C'est magnifique, hein. Le bonheur d'être avec toi, il est heureux d'être près de toi. Il est heureux de t'avoir rencontré, il est heureux de t'aimer. Voilà, bon, je vais vous montrer les cartes, les amis. L'homme, nouvelle, la campagne... L'amour, le bonheur. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. C'est franchement, c'est ma fille. C'est magique. J'allais dire c'est ma fille, mais j'ai pas d'enfant. Et j'adore parce qu'en fait, ça correspond, quoi. Ça correspond. On va prendre un petit tarot. Le lâche pas. Lâche pas cette personne. Alors là, dans cet arcane, on nous parlera qu'on est en... qu'on va être en pleine recherche. On va... ouais, on va chercher. On va essayer de voir une facilité pour aller prendre... une route peut-être plus simple d'accès, mais on essaie de planifier les choses, mais on reste quand même, on n'est pas dans le stress, on est détendu, on se sent bien, tu vois, c'est on planifie les choses ensemble. On pourrait aller plus vite, mais c'est pas forcément une nécessité. Alors oui, il y aura des remarques de certains gens là qui vont vouloir vous faire la peau, qui vont vouloir vous mettre des problèmes, mais vous avez toujours un coup d'avance sur ces gens et je pense qu'ils ne le remarquent pas. Et ils essayent encore une fois de vous mettre de nouvelles embûches sur votre chemin avec cet homme, avec cette femme, mais en vrai ça ne sert vraiment à rien, c'est une perte de temps. Franchement, c'est une perte de temps. On voit que votre relation, elle est évolutive, elle va évoluer. Vous allez faire plein de choses ensemble. Les choses font que de grandir et de grandir et de grandir. Et vous ne faites que réfléchir encore plus à votre avenir ensemble. On parle de changement prospère qui apporterait stabilité. Et ça va vous permettre de voir encore plus loin avec cette personne. Je sais pas si ça vous parle.
franchement, il y a des gens qui pensent que vous êtes malheureux, que vous êtes malheureuse, que vous souffrez, que ça va pas et tout, mais en fait, pas du tout, pas du tout. Vous vivez votre meilleur life. Et c'est le cas de le dire. Franchement, c'est le cas de le dire. Vous vivez votre meilleure vie. Mais écoutez, laissez. Il parle de vous. C'est que vous désintéressez. C'est qu'ils vous envient. C'est qu'ils sont jaloux. Vous les énervez. Et puis voilà, tout simplement, les amis. On s'en fout. Ça, c'est... C'est des trucs de bas étage. Faut même pas le remarquer. Faut même pas les regarder. Ça sert à quoi de faire ça avec des gens barrés? Le point magique Luna. Petit message s'il vous plaît. Je vais faire sur le mot amour. Ouais. Normalement c'est actuellement. Ah, je vais prendre un oracle qui permet de dater, tiens. Oh, les amis, j'ai commandé des dés. Ils sont magnifiques. En plus, j'aime trop la fille qui tient la boutique aussi. Elle est trop gentille aussi. Je vous montrerai. Oh, ouais, je vais faire ça. Et en plus, j'ai acheté pas cher. Enfin, pas cher. Ça va. Parce que j'ai acheté trois trucs de breloque. Mais en fait, c'est un mec qui veut vraiment te faire avancer dans la vie. Qui veut que ton bien, quoi. Enfin, tu sais, je suis choquée. A-M-O-U-R. Là, on nous parle des énergies extérieures et on a plus de détails sur cette personne extérieure. D'ailleurs, on va essayer de savoir plus de détails sur cette personne quand même qui... Hein. Peut-être c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un de pas très loin de chez vous. C'est quelqu'un qui veut que vous soyez malheureux, qui essaie de vous créer des doutes. Hein. Qui veut que vous vous plantez, quoi. C'est une personne plutôt âgée d'âge. Pouvez-vous nous dire c'est qui cette personne-là? Pour qu'on l'identifie un petit peu. On aimerait l'identifier, s'il vous plaît. On aimerait identifier cette personne-là. Énergie tierce, hein, mes amis. Identifier cette personne. Identifier cette personne. Identifier cette personne avec des trucs. Je crois que ça s'était retourné. Quelqu'un qui se colore les cheveux. Les hommes, c'est rare qu'ils se colorent les cheveux. Ça peut arriver, par contre, attention. Quelqu'un qui n'est pas très foncé de peau. On a un sexe masculin alors c'est une ou alors c'est une femme très masculine. Caractère optimiste, des yeux marrons. Quelqu'un qui a un style vestimentaire à la cool. Quelqu'un qui n'a pas les cheveux trop foncés, qui porte pas de bijoux. Qui peut être un style sportif. Signe du taureau. Là, je vais la remettre, les amis, tout simplement parce que j'ai déjà une couleur de cheveux et c'est impossible d'avoir plusieurs couleurs de cheveux. Ah si, c'est possible, en fait. Ah si, je dis n'importe quoi. D'ailleurs, quelqu'un qui me l'avait dit en commentaire, ça. Et si, du coup, c'est brun. Donc, clair avec du brun, peut-être des mèches. Ou un mélange de couleurs. Quelqu'un qui paraît sympathique. Hein, qui paraît, alors. Les yeux, on les a déjà eus. Quelqu'un qui peut avoir des piercings. Quelqu'un de séducteur, séductrice. Je prends les signes, hein, les premiers, vous inquiétez pas. On a le lion aussi. Et on a le bélier. Donc voilà. Mais franchement, pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Ma foi, va comprendre. De toute façon, il y a des fois des choses, ça va rendre... Il n'y a pas de trucs compréhensifs. Alors, on va regarder. On a la famille qui ressort encore. C'est une personne qui veut vous diriger vers le faux. Qui veut vous mettre des fausses idées dans la tête. Qui veut vous mettre dans l'illusion. Qui veut vous mentir. Qui veut... Quelqu'un qui voyage. Hein, quelqu'un qui est apparemment cultivé. Quelqu'un de changeant.
quelqu'un qui se nourrit de ça, en fait. De donner des désillusions aux gens. C'est quelqu'un, vous avez déjà eu un conflit avec cette personne, vous l'avez pardonné, mais elle recommence. C'est quelqu'un que vous êtes amené à voir dans le futur. Elle est malade de votre amour, elle est malade de votre succès. C'est une maladie, une jalousie maladive en fait, hein, très clairement. C'est ça. Donc voilà les amis, je vais passer à la suite du tirage pour les autres personnes qui auront choisi le tirage numéro 3. On va regarder le résultat pour les personnes qui auront choisi l'ange pour le tirage numéro 3. Est-ce que cette personne va venir te voir à l'improviste dans les 48 heures? Du coup, non, je peux pas vous dire le résultat des autres tirages. On va voir, écoutez, on va voir, pleine d'espoir, pleine d'envie. Je dirais bien sûr que la vérité du tirage de l'énergie. Bien entendu. Pour ça, moi, j'aime bien Magic Luna. Hein. J'aime bien Magic Luna pour répondre aux questions précises. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire si cette personne va venir les voir à l'improviste dans les 48 heures. S'il vous plaît. Est-ce que cette personne va venir les voir, s'il vous plaît? Résultat. Il y a un peu de la manipulation ici. Il y a des mensonges. Oh là là, ça je l'ai vu déjà. Bon, c'est pas la question. Mais je dirais quand même tout ce qui sort. Hein. Pas, mais c'est comme si fréquenter cette personne vous donnerait la poisse un peu. Hein. Peut-être un chat noir. Non, c'est péjoratif. Faut arrêter de dire ça. Faut arrêter de dire ça. Non, stop maintenant. Chat noir, c'est un chien. Non, non. Parce que j'ai faisais la réflexion il n'y a pas longtemps à ma maman. Quand des fois, de manière vulgaire pour dire... de parler des gens genre qui nous ont fait du mal, on dit c'est un chien ou mais je suis désolée, pas du tout, parce que nos chiens, d'accord, c'est des belles personnes, d'accord, rien à voir avec ces horribles gens en fait. Donc faut arrêter de comparer les gens avec les animaux, d'accord. Ça c'est des citations que moi même j'ai, surtout pour le chat noir, hein, parce que vous l'avez vu, je l'ai dit vraiment d'une manière naturelle. C'est pas vrai, le chat noir, il est beau. Pardonnez-moi, mes guides, mon Dieu. J'ai encore des trucs. Je vais vous dire la vérité, les amis. Je suis désolée. Hein. Accrochez-vous. Hein. Je vous le dis, accrochez-vous là. Restez là. Bon, cette personne va te parler, va te textoter apparemment. Je le sens pas. Voilà, je le sens pas. Je le sens pas. Cette personne, je la sens pas. Elle est pas honnête, elle est pas sincère. Je suis désolée, les amis. J'espère que tu ne l'aimes pas. C'est pas bon. Regarde, instabilité. Point négatif de la question. Instabilité. Point négatif de la question. Retour. C'est une personne qui revient, qui repart. J'espère qu'elle reviendra pas. Voilà. Je suis désolée, hein, mais oui, non. C'est pas possible. Hein. Trahison. Reviens pour te, hein, encore. Hein. Elle va t'envoyer un petit message. En plus, même pas le culot de t'appeler. Hein, pour essayer de t'envoûter. De te mettre un peu hein, des petites disquettes là. Et va te faire croire qu'elle te protège. Moi, mais. C'est une personne qui va te promettre mille et mille nuits. Engagement, mariage, pati, pata. Rien du tout. Rien du tout. C'est quelqu'un qui est là pour les sexes. Voilà. Pour les sexes.
C'est quelqu'un de très parano, qui va te surveiller en plus, mais qui ne t'aime pas. Qui est là juste pour son ego personnel. Justice divine est sortie, t'inquiète pas. Alors, c'est possible qu'elle peut débarquer à l'improviste ou zoner autour de chez toi. J'aurais préféré que ce soit une bonne personne, mais moi, pour moi, cette personne ne t'aime pas. Je vois pas d'amour, j'espère que tu ne l'aimes pas, j'espère que tu as compris, que tu le vois, tout ça. C'est une personne qui, voilà, qui va pas hésiter à revenir, à repartir, à te faire du mal, à revenir, à repartir, à coucher avec toi, à essayer de coucher avec toi, à coucher avec toi. Te dira ce que tu veux entendre, mais ne fera tout l'inverse, et en plus fera des trucs horribles et dégueulasses. Je suis désolée pour mes propos, mais je suis hors de moi. C'est une personne qui veut te manipuler et te prendre pour une imbécile, qui veut vraiment assouvir ses pulsions sexuelles malsaines ici, malsaines. Moi, je vois que ça dure, on nous dit, il y a une période hiver-printemps. Voilà, là, comment on est mal, on culpabilise, c'est pas à toi de culpabiliser, on se sent mal, voilà, on a mal à la tête, on pleure, on est vraiment dans une situation négative, voilà, on te dit bouge-toi de là, sors de ça, sors de cette emprise toxique, malveillante, on parle de changement, mais pas du tout avec cette personne, hein. De changement par rapport à ce manque, cet extrême manque que tu as pu ressentir à un moment donné ou à un autre. C'est fait exprès, c'est une horrible personne. C'est le genre de personne, je suis un homme dominant, une femme dominante. Et ouais, bien sûr, toi tu es ma petite soumise avec tes petites tresses comme dans 50 nuances. Non, c'est quelqu'un, un dictateur. Voilà, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui veut t'oppresser, quelqu'un qui veut te rendre mal, qui te donne du travail, qui te dit ah, t'as pas fait la vaisselle, t'as mal lavé le parterre. Et qui te donne du travail, fais ci pour moi s'il te plaît, va me faire ça, j'ai besoin que tu fasses ça, va m'acheter ce petit costard là, il me plaît bien, voilà. Il va te donner rien, il va te faire du mal. Regarde, c'est le diable, c'est quelqu'un de pervers, de manipulateur, qui veut que tu sois, voilà. Alors maintenant, tu as un choix à faire, d'accord? Arrête de te bander les yeux et d'attendre en étant, entre guillemets, vigilante. Parce que là, ça va pas du tout, les amis. Ça, je suis pas contente. Hein. Je suis pas contente. Il faut partir là. Il faut partir. Et me dites pas que vous attendez ça. Hein. Me dites. T'es moche, arrête de faire ça. Me dites pas que vous attendez ça, cette personne. Me dites pas. Voilà. Conseil, fuis pas. Loin. Loin est beaucoup plus beau. Loin, seul. Seul est toujours mieux qu'être avec cette personne. Seul est toujours mieux, oui. Ah oui. Alors oui, ça va être dur. Oui, ça va être un parcours du combattant. Tu vas pas savoir comment faire. Pas qui en parler. Tu vas avoir honte, alors qu'on ne sait pas pourquoi. Oui, à cause de la société et des gens. Mais non, en fait. Non. Au pire, écris-moi un email. Si ça te parle, parce que c'est vrai que c'est bien beau tout ça, il y en a, ils vivent avec ces genres de gens. C'est ça le pire. Non, mais il faut que tu partes en fait. Alors, il y en a, ils n'ont pas de famille, hein. Ils n'ont pas d'amis. Il y a des assistants sociaux. Après, il y en a, ils n'ont pas envie d'aller en foyer, c'est compréhensif. Vous savez, moi j'ai déjà pensé à donner les clés de mon appartement, genre plusieurs fois et tout. Hein. Mais le problème c'est que je suis pas chez moi. Et ma mère elle m'a dit, et je sais pas si c'est vrai, peut-être qu'il y en a, ils savent que le problème, si tu fais rentrer quelqu'un chez toi et que cette personne elle veut jamais partir de chez toi, eh ben, t'as pas le droit de la foutre dehors ou t'as pas le droit, en tout cas, c'est en tout cas, enfin, je veux pas foutre les gens dehors. Mais si cette personne à un moment donné elle veut pas partir et que toi tu veux récupérer ton appartement et que genre tu vois qu'elle s'installe quoi, et eh ben ça change la serrure ou quoi, et eh ben tu vois, c'est ça moi qui me fait peur. Alors que ouais, j'avoue, j'ai déjà accueilli des gens. Ouais, je suis jeune, je sais, mais j'ai déjà accueilli des gens. Je dis pas ça pour faire genre, hein, mais genre je pose une réelle question, est-ce que c'est vrai? Genre on n'a aucun retour.
Alors, c'est pas sous-loué, puisque je vais pas faire payer de loyer. Non, mais après, c'est ce que on... Parce que, ouais, il y a des... En fait, une fois, j'ai accueilli une personne, mais j'étais chez moi. J'étais chez moi. Mais là, c'est j'ai pas envie d'être chez moi. Enfin, je sais pas si je suis... C'est une réelle question pour ceux qui connaissent un peu la loi ou qui ont déjà eu affaire à ce genre de situation. Ça serait sympa, franchement, de me dire parce que si vous pensez que non, il n'y a pas de problème, ben, je pourrais le faire, quoi. Mais c'est juste ça qui me fait peur, faut me comprendre aussi. Parce qu'en vrai, je vois pas de solution. Parce que oui, il y a des foyers après. Hein. En même temps, je pense que le foyer est mieux qu'être avec ce genre de gens-là qui, franchement, qui sont vraiment minables. Hein. C'est une personne, elle est horrible, elle est minable. Je pense que c'est mieux le foyer que ça. Non, c'était une réelle question. Genre, le tirage m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à ça. Parce que moi, s'il y a des gens qui viennent vers moi et qui me disent, ouais, ça, quoi répondre, quoi, si je n'ai pas la réponse, si je peux, ben, que j'ai pas de risque. Parce qu'on sait pas les gens, tu vois. Moi, des fois, je suis un peu trop naïve. Donc voilà, si certains savent, ça serait sympa de répondre, en fait. Merci. Ok, on va regarder la suite de ce message. Est-ce que cette personne, de manière générale, va lâcher prise sur cet homme ou cette femme? On a la chance, donc c'est plutôt un oui. Elle est sortie direct, la carte. Procès. Peut-être qu'il y aura des procès, des procédures. C'est quelque chose de conflictuel. Alors je vais prendre un oracle parce qu'il y a un oracle que j'ai pris là, que j'ai commandé chez une consoeur. Il est où? Je vais sortir. Ah, avant de la guidance, elle est jamais. Elle a mis des datations. Pouvez-vous s'il vous plaît. Tous mes oracles sont en barre d'infos, les amis. Pouvez-vous nous dire quand cette personne va se sortir de cette impasse? Peut-être qu'elle a déjà sorti de cette impasse. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quand cette personne va sortir de cette impasse, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire quand cette personne va sortir? On a cette saison. Et on a aussi, par contre, janvier. Il y en a, ils vont sortir, je pense, cette saison de cette situation. Et d'autres, peut-être en période janvier, quoi. Enfin, ça fait long. Hein. Mais là, on a encore un mot qui nous dit futur proche. Futur proche. Et c'est quoi le message des cartes? On a un bon présage, on a la chance pour le consultant, pour la personne en question. Mais oui, il y aura des pertes, hein, forcément, les amis. Mais bon, vaut mieux perdre financièrement que perdre. Hein. C'est scandaleux quand même. L'être humain. Pourquoi on est comme ça? Vous êtes d'accord, les amis, c'est quand même une situation triste, une situation qu'on souhaite à personne. Rassurez-moi. Ben dans le jeu, on voit d'autres personnes qui vont dire, ah, ta vie, elle régresse, ta vie, elle tombe bien bas, celle-là. Elle faisait beau sourire avec son mec. C'est fou, c'est pour ça, moi, je fréquente pas les gens. Il y a le tribunal qui sort encore.
Les gens, ils sont dégueulasses. Genre, ils ont pas de compassion, de pitié, genre. Ce qu'ils retiennent de son histoire à cette personne, ceux qui vont assister à ça, ils vont pas l'aider. Et en plus, ils vont dire, ah, tu as vu, elle a bien bluffé, elle faisait genre, elle était heureuse, qu'elle kiffait, qu'elle avait des trucs, des sous, des trucs, nani. Parce qu'en fait, les gens, ils savent pas, je pense, son histoire. Ils ont pas vécu avec elle, ils savent pas en fait avec qui elle était. Elle se met pas, elle. Non, voilà, c'est. C'est pour ça, il faut essayer de pas juger les gens. Quand ils t'ont rien fait, surtout. Quand ils t'ont rien fait, que tu les connais pas, que tu les vois de loin, enfin. Je sais pas, ok, des fois, on montre ce qu'on veut montrer, d'accord. Mais tu crois, est-ce que tu crois que c'est plaisant de montrer que t'es avec un malade? Non. Peut-être t'as peur aussi, attends, enfin. Je sais pas. Il y en a, ils aiment pas la pitié. Ou tout simplement, ils ont peur. Enfin, je sais pas. Alors après, voilà, c'est humain, c'est humain. Genre les. Non, je valide pas le comportement de ces gens qui aident pas et qui fait ça. Pas du tout. Mais l'être humain, voilà, on a tendance à. On sait pas et. Voilà. C'est pour ça qu'il faut essayer de pas critiquer les amis. Faut essayer, faut essayer. Faut essayer de pas être hypocrite. Essayons. L'hypocrisie, quoi. Trop d'hypocrite. Vraiment trop d'hypocrite. On va regarder. Attendez. Maintenant, le profil de ces personnes. Attendez, j'ai oublié des cartes par rapport à l'autre tirage. Pour voir c'est qui quoi. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire à qui s'adresse cette guidance? On a des cheveux blonds. On a quelqu'un qui est rigolo, rigolote. Quelqu'un de pessimiste, ça va pas aider. Quelqu'un qui ne croit pas en certaines choses. Hein. Des cheveux longs, des cheveux clairs, hein, des yeux noirs, hein, personne avec des formes, caractère heureux de base. Hein, On a la Vierge qui sort, les amis. Quelqu'un qui est malheureuse, c'est compréhensif. Quelqu'un qui porte pas de bijoux. Quelqu'un qui prend pas soin d'elle, de lui. Quelqu'un de paresseux. Quelqu'un qui est antipathique. Quelqu'un qui est séducteur, séductrice. On a l'âge 30 ans environ. Quelqu'un de timide. Quelqu'un qui a des piercings. Quelqu'un qui se colore les cheveux. Quelqu'un qui a pas d'enfant. Quelqu'un qui se rase. Quelqu'un qui est drôle. On a le taureau, la balance, le cancer. Le Verseau. Le Capricorne, le Sagittaire. Donc voilà les amis, je vous ai dit le profil. Donc voilà, on va un peu papoter. En vrai, j'ai rien de spécial à dire aujourd'hui, en vrai. Franchement, non, pas grand-chose. Juste mon message sur les menteurs et les menteuses, ça c'est trop vrai en fait, ça confirme tellement les choses. Franchement, c'est fou. C'est fou. Tellement juste. Bon, enfin, bref. On va pas en parler un peu plus de ça. Ça sert à rien. Donc, voilà, les amis. Non, je pense ce soir que je vais aller manger au resto, là. J'ai envie de resto. Oh là là.
Ah ouais, mais ça fait 6 mois que je pense à maigrir. Mais vous savez, je suis sûre qu'il y a une sorcière, elle m'a fait de la magie pour que je prenne du 10 kilos. Et ma mère aussi. Et je sais c'est qui, purée. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui est sur YouTube, qui nous a fait de la magie. Et qui nous a fait aussi de la magie pour d'autres choses, les amis. Mais heureusement, on est protégés. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes, la personne qui m'a fait de la magie, vu que tu étais grosse, eh ben, j'ai demandé au guide et aux univers de t'en renvoyer 30 de plus. Tu peux me remercier. Hein. Voilà. Bref. Bon, moi, les amis, non, je rigole, mais je rigole pas en même temps. Hein. Je vais mettre du baume. Relaxant. Ben merci les amis pour voir tous mes efforts que je fais, que j'essaye d'améliorer la qualité des vidéos, de faire de plus en plus précis, même au niveau des petits détails, au niveau des montages et tout. Je prends énormément de temps, encore plus qu'avant les amis. Pour les vidéos, franchement, ben ouais, je prends beaucoup plus, 10 fois plus de temps. Mais c'est encore mieux, je suis contente donc je regrette pas. Genre même sur le nez, au moins tu sens bien. Là aussi. Donc voilà, donc je prends énormément de temps. Mais franchement, je kiffe en fait. C'est ma vie, c'est ma passion. Et je pense que ça se voit. Mais de toute façon, vous le voyez quoi. Vous le voyez. Merci pour tous vos gentils commentaires. C'est trop trop mignon. Vous êtes trop trop adorables. C'est trop trop fou. Je vous laisse vous exprimer parce que vous avez le droit à ben, la parole. D'ailleurs, si vous pouvez remarquer, j'ai jamais enlevé les commentaires. Depuis le début, même quand on a voulu me faire des problèmes, j'ai jamais, jamais enlevé les commentaires. Jamais, 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 jamais. Donc, voilà. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.